ces créatures de la faune aquatique. Le courant marin va être très fort aujourd'hui. Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr. Veux-tu que je t'aide à trouver un endroit sûr? Non, je déménage. Je devrais arriver d'ici jeudi. Allez, laisse-moi t'aider. Ouf, à la bonne heure. Merci, Octonaut. Salut, l'ami. T'as entendu les recommandations? Ah ben, c'est une grille. Je ne comprends rien, Moussaillon. Pourquoi tu parles comme ça? Tout ce que je comprends, c'est... Est-ce que tu pourrais articuler? Je m'appelle Jimmy, je suis un opistoniate. Je retourne dans mon terrier qui est juste là. J'ai des œufs plein la bouche. Ah, j'ai fait tomber mes œufs. Lui, c'est Jerry. Lui, c'est Jojo. Oh, la petite Janet. Elle ressemble à sa mère, Jeanne. Regarde, il y en a un autre ici. C'était le dernier. Oh, le courant! Les a emportés. Ah oui, Octonaut. Ne t'inquiète pas, on va retrouver tes œufs. Oui, et jusqu'au dernier. Octonaut, tous au bassin de lancement. Octonaut, le courant a emporté avec lui une dizaine d'œufs de Jimmy. Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa. Sa bouche? Quelle drôle d'idée de conserver des œufs dans la bouche. Les mâles épistoniates sont des incubateurs, Twig. Ils protègent leurs œufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion. C'est ça. L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit œuf. Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas? Nous devons donc retrouver ces œufs au plus vite. Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant? Activation du calculateur. Le courant est passé le long de ces falaises, tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse. C'est là que nous trouverons les œufs. Voici le plan. Shellington, tu restes avec l'opistoniate près de son terrier. Oui, capitaine. Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant. Kwasi, Pesso et moi, nous partons à la pêche aux œufs. Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les œufs. Twig, ces œufs sont tout petits et très fragiles. Nous avons besoin... de quelque chose pour les attraper. J'ai justement ce qu'il faut, capitaine. Un collecteur d'œufs. Cet appareil va aspirer les œufs. Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur père. J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbosystème. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant. Très beau travail. Twig, ouvre l'octo-écoutille. Pesso, tu cherches le long des falaises. Compris. Kwasi, tu cherches du côté des geysers. À vos ordres, capitaine. Je m'occupe de la tranchée rocheuse. Octonaut, exécution. Ah, voici les falaises. Ça y est, j'en ai trouvé un. Et voilà, petit œuf, tu es en sécurité. Oh, qu'il est mignon, cet œuf, il ressemble à celui-là. Oh, oui, merci beaucoup. Pour cela, c'était facile, il y en a peut-être d'autres. Oh oui, encore un. Cette Raymanta avale tout sur son passage. Activation du turbosystème. Doucement, Pesso. Rentre les nageoires. Dirige avec le bec. Je l'ai. Désolé, Raymanta. Trouve autre chose à te mettre sous la dent. Ce petit œuf avait l'air délicieux. Il est temps d'aller retrouver votre papa. Non. Tu as trouvé un œuf, Nav. Fais voir. Oh, Nav, ce n'est qu'un caillou. Continue. C'est pour toi. 3 de tes œufs en parfaite santé. Je crois qu'il a dit que c'était Joseph, Joséphine et Judith. Capitaine, 3 œufs ont été remis sains et saufs dans la bouche de Jimmy. Bien joué. Merci, Shellington. 1, 2, 3, il en reste 7. Capitaine, je traverse les geysers. Wow! Wow! Miaou! Ah ah! Je vous tiens! Salut les petits moussaillons!
Capitaine, je viens de sauver deux œufs. Bon travail, Quasi. Je viens d'en repérer un troisième. Par mes moustaches, l'œuf. Viens par là, Saillon. Est-ce qu'ils sont pas mignons, ces petits nains neufs? Bien sûr qu'ils le sont. Livraison à domicile, fait à... Nav, tu en as trouvé cette fois? Oh non, c'est un coquillage. Capitaine, nous avons retrouvé trois autres œufs. Et moi, j'en ai trouvé deux. Ça nous en fait huit en tout. Je continue à chercher les deux derniers, mais le courant rend les rochers instables. Oh, ça commence à se compliquer. C'était moins une. Ah! Bingo! Allez, je vous ramène à la maison. Trois œufs en plus et en bonne santé. Ça fait neuf. Il n'en manque plus qu'un. Il dit que c'est Jimmy Junior, il s'appelle comme lui. C'est un brave petit œuf qui a le goût de l'aventure. Il doit être par là quelque part. Cassie, tu me reçois? Oui, capitaine. Nous avons fouillé les falaises, les geysers et la tranchée. Mais il y a toujours un œuf qui manque. Son nom, c'est Jimmy Junior. Il est possible qu'il soit encore pris dans le courant. Si c'est le cas, il a dépassé la tranchée rocheuse et il a été emporté vers le large. Merci, Cassie. Quasi, Pesso, si nous ne retrouvons pas très vite cet œuf, il pourrait être perdu pour de bon. Dépêchons-nous! Jimmy Junior, droit devant. Actionnez les collecteurs! Il manque de puissance, le courant est trop fort. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode. Prends ça. Oh, il a glissé. Attrapez-le. Je l'ai. Cette fois, je vais t'avoir. Des requins citrons. Laissez-moi m'en occuper, capitaine. Attention, Quasi. Il ne faut surtout pas qu'il te remarque. Nage sous les requins et le plus silencieusement possible. À vos ordres, capitaine. Miaou! Hey, on vient de trouver notre casse-croûte, les gars. Vaisseau, emmène Jimmy Junior. Quasi, attrape! C'est l'heure du goûter, les gars. Bon appétit! Quasi, qu'est-ce que tu as fait? Tout va bien. Jimmy Junior est sain et sauf. Ouf! Hey, y'a rien là-dedans. On s'est fait avoir. En rancune, les petits requins! Nous sommes fiers de revenir avec le seul et unique Jimmy Junior. Oh non, mon Jimmy. Oh, mais je l'avais dans ma patte, j'en suis sûr. Il a dû glisser par là. Ce sont des algues. C'est une palourde. C'est un œuf. Oui, c'est l'œuf. Nav, tu as trouvé Jimmy Junior. Ah, nous avons retrouvé les 10. Beau travail, Octono... Shellington, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes œufs vont éclore. Super! Ça alors, regardez. Ouais, toi t'es un vrai petit diable, hein, n'est-ce pas? C'est Jimmy Junior, une vraie petite terreur. Oh, mes petits bébés, je vous aime tous les uns autant que les autres. Il va falloir une plus grande maison. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il dit qu'il creuse son terrier avec sa bouche. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.
Professeur, nous venons de recevoir un appel du capitaine Barnacle. J'arrive tout de suite. Pourriez-vous rester ici et surveiller les petits gâteaux qui sont dans le four ? Professeur, nous avons découvert des grottes sous-marines. Oh, excellent ! Wow ! Capitaine, oh. Est-ce que ça va ? Oui, Pesso, mais quelque chose... Oh ! Octonautes, attention, nous sommes attaqués ! Terminé ! Je n'arrive pas à voir ce qui nous déséquilibre, capitaine. Accroche-toi, Quasi. Je vais tenter une manœuvre. Par mes moustaches, on ne voit plus rien. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai réussi. Octonautes, tout va bien. Ouvrez l'octo écoutille. Terminé. Tout va bien? Oui, Moussaillon. Oh, capitaine, le gup est tout recouvert d'encre. Mais qu'est-ce que c'est que ces traces? C'est là que le monstre s'est agrippé. Un monstre? Nous ne sommes pas sûrs que ce soit un monstre. Capitaine, j'ai déjà vu ce genre de traces. Voyons, si je ne m'abuse, elles ont été laissées par... mon cousin! Votre cousin? Eh oui, mon cousin, Irving, le calamar géant. Cassie, veux-tu bien leur montrer mes photos de famille? J'ai aidé le professeur à stocker ses photos dans l'ordinateur. Là, c'est moi et un parent, la pieuvre à anneaux bleus. Mon petit cousin, le calamar luciole. Et voici mon cousin Germain, le calamar géant. C'est votre cousin? C'est la seule photo que j'ai de lui et elle n'est pas très bonne. Cela fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est énorme! Les pieuvres et les calamars sont de la même famille. Je suis petit et lui est grand. Mais nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons tous les deux des bras avec... des ventouses. C'est idéal pour attraper des objets. Ah, voilà qui explique comment votre cousin a pu agripper le gup. Ah, mais pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, il est possible qu'il essayait de vous demander de l'aide. C'est une drôle de façon d'en demander. Non, je ne pense pas qu'il voulait vous faire de mal. En fait, je crois plutôt que vous l'avez effrayé. Ah bon? Oui, car tout comme moi, il projette de l'encre lorsque quelque chose lui fait peur. L'encre couvre notre fuite et nous rend invisibles vis-à-vis de nos poursuivants. Capitaine, trouvons-le et assurons-nous qu'il est sain et sauf. Professeur, déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de trouver le cousin du professeur, le calamar géant. Quasi, Pesso, dans le gup. Capitaine, je n'ai pas l'habitude de vous accompagner en mission, mais Irving fait partie de ma famille. En cas de besoin, je dois lui porter secours. Allons-y. Oh, les petits gâteaux poissons, en voilà une bonne idée. Vous verrez, ils sont délicieux. Merci les végétaux. Oh, oui, c'est très bien. On n'en est plus, hein, après. C'est bon, les végétaux. Nous en avons suffisamment pour la route. Préparez-vous au lancement. Ouvre l'octo-écoutille, Twig. À vos ordres, capitaine. Thank you.
accrochez-vous, ça risque de secouer un peu. Professeur, votre cousin est sûrement dans l'une de ces grottes. Oui, c'est ici qu'il a déployé ses tentacules pour nous attraper. C'est très sombre ici. Votre cousin aurait trop peur de s'y cacher. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les calamars géants ont les meilleurs yeux de tous les animaux du monde sous-marin. Ils voient parfaitement bien dans le noir. Bon, très bien. Allons-y doucement et trouvons-le avant qu'il ne nous découvre. Parce que nous ne voulons pas le faire fuir, n'est-ce pas, Quasi? Oh, Quasi! Pesso, tu cherches dans cette grotte et moi, je cherche dans celle-ci. À vos ordres. Je vais surveiller d'ici. On vous contacte par radio si on trouve votre cousin. C'est quand même un peu sombre, mais bon, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a quelque chose d'énorme devant moi. Oh. Oh, désolé, ce ne sont que de gros rochers. Non. Je crois que je l'ai trouvé. Non. Allez, montre-toi. Miaou. Oh, ce n'est qu'une raie manta. Non. Hein? Octonautes, je pense avoir localisé le calamar géant. Ah. Activation du détecteur d'animaux. Oh, désolé, ce n'est qu'une anguille. Octonautes, poursuivez les recherches. Ah, ces petits gâteaux sentent délicieusement bon. Un petit encas va me requinquer en attendant leur retour. Oh! 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 C'est mon cousin Irving! Oh! Ah, professeur! Il y a quelque chose qui sent bon. Tu veux que je t'en apporte? De bons petits gâteaux. Tu vas te régaler. Mais tu es mon cousin. Bonjour, cousin Irving. Est-ce que tu vas bien? Je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Non, c'est que j'ai très faim. J'ai cherché à manger toute la journée. Ah, c'est pour ça que tu as attrapé le gap. Ah, tu pensais que c'était de la nourriture. Est-ce qu'il te reste de ces délicieux petits gâteaux? Capitaine, un autre panier de ces délicieux petits gâteaux, s'il vous plaît. Cousin Irving a très faim. Alors, comment nous avez-vous trouvé? Oh, grâce à l'odeur de ces bons gâteaux. Les calamars géants ont un odorat très développé. Tiens, un autre panier bien rempli. Génial. Oh. Et voici l'octocapsule, mon chez-moi quand je suis loin de la maison. Eh bien, mon cher cousin est un octonaute. Prenons une belle photo pour votre album de famille, professeur. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Parfait. C'est quand vous voulez, capitaine. Activation du bras pour rapprochement. Faites-moi un beau sourire. Dites rodofissé. Rodofissé. Plein régime, Cassie. À vos ordres, capitaine.
Bien, c'est mieux à cette vitesse. On est encore loin, capitaine? Ne t'inquiète pas, Twig, nous arriverons à temps. D'accord, capitaine. Ça va te faire drôlement plaisir de revoir Sandy. Ça oui, Pesso. Sandy, la tortue de mer, est l'une de mes meilleures amies, mais je ne la vois pas souvent. Sandy voyage toujours dans cette zone en cette période de l'année. C'est une chance que nous passions par là. Sandy doit être de l'autre côté de ce canyon. Vous croyez vraiment qu'on arrivera à temps, capitaine? On y sera avant que tu n'aies pu dire. Carotte en botte... comment tu dis? Carotte en botte croquante... Oh! Qu'est-ce que c'est? Capitaine, l'octocapsule perd toute son énergie. Je n'en ai plus le contrôle. Passe en commande manuelle, Cassie. Hein? Ah! Quasi, Pesso, courte échelle. À vos ordres, capitaine. Accrochez-vous, Octonautes, ça va secouer. Nom d'une nageoire, on va tomber dans le canyon. Sauf si je m'arrête avant. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Moi aussi, capitaine. Par mes moustaches, on l'a échappé belle, capitaine. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a toujours pas d'électricité et nous sommes au bord d'un précipice. Et nous sommes déjà très en retard pour revoir Sandy. Twig, déclenche l'octo-alerte. Désolé, capitaine. Pas d'électricité, pas d'octo-alerte. Nav, déclenche l'octo-alerte avec les végétaux. Ça ira comme ça, merci. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons fait un atterrissage forcé. L'octocapsule n'a plus d'électricité. Je crois savoir quel est le problème, capitaine. Regardez, le rouge veut dire que les batteries de l'octocapsule sont à plat. Et sans électricité, l'octocapsule ne marche pas. Ne t'inquiète pas, Twig. Ce qui m'ennuie, c'est que le temps que je charge les batteries, il sera beaucoup trop tard pour rencontrer Sandy. Et si tu prenais un dégup pour aller la rejoindre? Le choc a bloqué l'octo-écoutille. Et manuellement, je ne pourrais pas l'ouvrir assez grand pour sortir le gup. En attendant, nous allons vérifier si l'octocapsule est endommagée. Quasi, Pesso, actionnez vos casques. Allons-y! Cet endroit est dangereux pour l'octocapsule. Les parois du canyon peuvent céder à tout moment. Il vaut mieux l'amarrer. Ah, ça devrait tenir, pour l'instant. Ah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'octocapsule est aussi sûre que... Hé, à quoi vous jouez là, à me marcher sur la queue comme ça? D'abord, il y a ce gros truc orange qui tombe du ciel et maintenant, c'est vous qui me marchez dessus pendant que je me repose sur le sable. Et ça m'énerve. Calme-toi. Nous ne voulions pas te déranger. Nous avons dû faire un atterrissage forcé. Nous avons un problème de batterie. Oh, d'accord. Ouf. Enfin, je suis désolé pour tout ça. Je suis quelqu'un de plutôt amical avec les étrangers. Mais il y a des moments où je suis vraiment sous tension, alors... Oui, alors tu électrises. Mais comment tu fais ça? Je suis une rétorpille électrique. Mais vous pouvez m'appeler Ray, on est entre amis. Une rétorpille électrique? Exactement. Je possède un organe spécial qui fabrique de l'électricité. C'est la décharge qu'a reçue votre ami. Mais celle que j'ai produite n'était qu'un avertissement. Un avertissement? Oui, je peux produire des décharges électriques beaucoup plus fortes. Peux-tu nous montrer à quoi ressemblerait ta plus grosse décharge? J'espère que ça va marcher. Comme ça, je pourrai peut-être voir Sandy, finalement.
Maintenant, Ray, si tu produis une décharge électrique suffisante, l'énergie passera par ce câble, rechargera la batterie et fera redémarrer l'octocapsule. Tu es prêt ? Prêt ! Éloignez-vous un peu. L'électricité est dangereuse. Je suis un peu nerveux. Je vais refaire un essai. Prends ton temps. D'accord. Je recommence. Ça va être bon cette fois. En fait, je ne produis que de grosses décharges lorsque j'ai peur ou bien quand j'ai faim. Non. Oh, miam. Ça y est, ça marche. Légèrement grillé. Nous, les rétorpilles, on électrise toujours la nourriture avant de la manger. Oh, je ne produis toujours pas assez d'électricité. Désolé. Oh, c'est pas de ta faute, Ray. Dommage, moi qui me réjouissais déjà de revoir ma meilleure amie Sandy. Écoutez, moi aussi j'ai des amis, des rétorpilles électriques. Elle pourrait nous aider. Si une raie peut produire assez d'électricité pour alimenter le bassin de lancement... Alors plusieurs rétorpilles devraient être capables d'alimenter toute l'octocapsule. Et apparemment, elles adorent les gâteaux des végétaux. Continue comme ça, Nav. Allons-y, les amis, le dîner est servi. Légèrement grillé. Ces petits gâteaux sont décidément très bons. Ça marche. L'électricité qu'elles produisent passe par le câble et va alimenter l'octocapsule. On y est presque. Encore quelques décharges. Je savais qu'on y arriverait. Oh, et attention, mon vieux. Eh, allez-y doucement. Attends, on va passer. Le gâteau est à moi. Attention. L'octocapsule est sur le point de tomber. Ne restez pas là. Attention. Les raies électriques, attention. Désolé. Je dois reprendre le contrôle. Tu veux que je t'aide à descendre? Oh, Sandy! Content de te revoir, Sandy. Vas-y, grimpe. Dirige-toi vers l'octo-écoutille. Compris. Tu vas devoir sauter pour entrer. Barre à 90. Oui. Octonautes, l'octocapsule est de nouveau en état de marche. Oui. Contente de te voir, Twig. Moi aussi, Sandy. J'ai entendu du bruit quand j'étais de l'autre côté du canyon, alors j'ai nagé jusqu'ici pour voir ce qui se passait. Tu es arrivé juste à temps. Heureusement, vous allez tous bien. Tu veux un petit gâteau, Sandy? Attends, je vais électriser ça pour toi. C'est beau et croustillant. Merci d'être venu de si loin pour me voir. J'espère que ça ne vous a pas causé trop de problèmes. Non, pas trop de problèmes, Sandy. Devrait être assez facile à repérer. La visibilité est excellente aujourd'hui.
Les voilà! Ces octoflotteurs ont mesuré la température de l'eau pendant des semaines. Ils vont nous renseigner sur les conditions climatiques. Même en étant sous l'eau? Bien sûr, la température de l'océan en dit beaucoup sur le temps qu'il fait en surface. Oh, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes. Nom d'une méduse! L'écran nous indique qu'il y a un gros risque de trombe marine à la surface. Capitaine, d'après les octoflotteurs, des trombes marines risquent très vite de se former en surface. Des trombes marines? Eh bien, Nav, une trombe marine est un tourbillon d'air et d'eau qui s'élève au-dessus de la mer pour former une tornade. Oups, une tornade? Miaou! Ne t'inquiète pas, mon ami, ce n'est rien qu'un petit courant d'air. Shellington, Cassie, récupérez tous les octoflotteurs et éloignez-vous aussi vite que vous le pourrez. C'est entendu, capitaine. On les rassemble et... Oh! Oh! Vite, il coule à pic! Oh! Jouer. Autour des flotteurs. Oh non, le vent les a emportés. Cassie, Shellington, est-ce que tout va bien? 5 flotteurs ont disparu en mer. Et une trombe marine a commencé à se former à la surface. On vient vous aider. Quasi, Pesso, au gap. Si nous voulons retrouver tous les octoflotteurs, mieux vaut nous séparer. Oui, mais je crois bien qu'on va avoir de la compagnie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ah. Je l'ai. Dépêche-toi, Shellington. Oui, c'est bien. Encore un. Capitaine, j'ai trouvé le dernier. Récupère-le au plus vite, Quasi. Miaou! Hein? Hé! Hey, attention, Moussaillon! Oh, c'est moi que tu appelles Moussaillon? Mon nom, c'est Trixie, et je suis un baliste. Moi, c'est Quasi. Content de te connaître, Trixie. Je viens récupérer notre flotteur, il est à nous. Oh non, sûrement pas. Je l'ai trouvé à la surface et je m'en suis servi pour en faire un abri. Mais je ne peux pas laisser ce flotteur ici. Tu ne vas pas sillonner l'océan avec, pas vrai? Je construis ma maison avec tous les objets que je trouve à la surface. De cette façon, je suis protégée des oiseaux et des gros poissons. Alors quand je trouve un objet aussi intéressant, je n'y renonce pas si facilement. Regarde, ce n'est pas le moment de discuter, Trixie. Plonge en profondeur, tu seras plus en sécurité. Je refuse de partir, ce n'est pas une trombe marine qui va me chasser de chez moi. D'accord, si tu ne veux pas quitter ta maison, je vais devoir la mettre à l'abri. Hein? Suis-moi, Trixie. Hein? Cochon avec lui. Oh, tonnerre! Je vais te sauver, Trixie! Par mes moustaches, je vais te sauver! Quasi! Hein?
assaillons. Cette fois, c'est la bonne. Hein? Je te tiens. Géant. Quasi, réponds, Quasi. Oh, on a perdu le contact radio. Il faut déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous à votre poste. Octonautes, Quasi a été emporté par une trombe marine. Il est perdu quelque part au large. Les trombes marines s'éloignent, capitaine. Mais je ne vois aucune trace de Quasi nulle part. On doit couvrir la zone pour le retrouver. Octonautes, exécution. Capitaine Barnacle, répondez. Oh, ça ne donne rien. Et toi, Trixie, est-ce que ça va? Je vais bien, mais... Oh. Mais cet oiseau a l'air d'avoir très faim. Je vais me régaler. J'arrive, petit poisson. Trixie, cache-toi sous le guêpe. Oh, je veux retourner dans ma maison. Aucun signe de Quasi? Toujours rien, capitaine. Attendez, je crois avoir vu quelque chose. Oh non, ce n'est que l'octoflotteur. Mieux vaut le récupérer. Ne t'inquiète pas, Trixie. Tu es en sécurité là-dessous. Plus pour longtemps, un espadon. Ma baliste pour mon déjeuner. Ah oh, te revoilà. Oh oh, Trixie, attention. Toi, je vais t'attraper. Oh oh. Je viens à ton secours, Trixie. Hein? Oh! Oh! Où est-il passé? Oh! Oh! Yeah! Toujours aucun signe de Quasi, capitaine. Il est introuvable. Il ne doit pas être loin. Capitaine, je capte des bruits très étranges. Ce sont les mêmes grognements que ceux entendus avant que l'on ne perde Quasi tout à l'heure. Pour moi, c'est une piste. Passe devant, Shellington. Octonautes, on suit ces grognements. Ne t'éloigne pas, Trixie. Calme-toi. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Quasi. Non. Ma maison. Cassie, ouvre l'arrière du gap E. Attention. Je sais que tu es là quelque part. Non. Non. J'abandonne. Tant pis, je trouverai autre chose pour mon déjeuner. Merci, capitaine. Qui est ton nouvel ami, Quasi? Laissez-moi vous présenter Trixie du récif corallien. Un grognement de baliste, bien sûr. Notre flotteur lui a servi d'abri. Il a pu me protéger des oiseaux, mais aussi des gros poissons. Eh bien, Trixie, je crois que tu as plus besoin de cet octoflotteur que nous. J'ai une idée, capitaine. Si on laisse l'octoflotteur ici, Trixie en sera la gardienne. Tu es d'accord, Trixie? À mon avis, il n'y aura aucun problème. Ça, c'est bien vrai. Nous, les balistes, nous protégeons toujours nos maisons. Oh! Oups, désolée, c'était pour vous remercier. Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie. C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech!
Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père, le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire? Oui, papa. Attention, prêt, camouflage. Très bien. Ça alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo les enfants, vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non, certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. Oh, la mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, eux, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas, les enfants, un hippocampe feuille n'abandonne jamais. Papa, reviens. Papa. Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe feuille est emporté au loin. Papa. Oh non. Restez calme et camouflez-vous. C'est bien, les enfants. Fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Twig, dis Ouistiti. Ouistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Il n'y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de varech, Moussaillon. Une bonne soupe de pirate. Oh, on s'est fait capturer par un pirate. Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirate. Bravo, papa. Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates. On plonge. Haché. Attendrir. Mixer. Et bouillir. Nous devons nous enfuir d'ici. Nous avons rapporté beaucoup de varech avec nous, professeur. Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du varech. Cassie, peux-tu faire un zoom? Tout de suite, professeur. Waouh, des hippocampes feuilles. Je ne les avais pas du tout repérés. C'est normal, les hippocampes feuilles sont difficiles à voir. Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage. S'ils se sont collés au gap, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule. Oui, mais où? Mettons-nous tout de suite à leur recherche. Puisque ces hippocampes feuilles se confondent avec le varech, nous allons utiliser mes octo-jumelles à vision anti-camouflage. Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant. Et ça, même s'ils se fondent dans l'environnement. Shellington, vérifie le labo. Cassie, va voir à l'infirmerie. Twig et moi, au bassin de lancement. Octonautes, exécution.
Tu vois quelque chose? Non, il n'y a que du varech dans ce réservoir. Je ne vois aucune trace d'eux. Les hippocampes feuilles ne sont pas ici. Réfléchissons. Qui d'autre a pris du varech? Oh! Quasi! Quasi, arrête de préparer ta soupe! Quasi! Haché! Attendrir! Mixer! Bouillir! Hacher! Attendrir! Mixer! Bouillir! Oh! Octonautes, à la cuisine! Hacher! Attendrir! Mixer! Bouillir! À nous les dernières branches de varech, moussaillon! Oh, nulle part où se cacher! Comment dire à un pirate, ne me mange pas! Arrête de préparer ta soupe! Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe! Tu tiens des hippocampes feuilles, pas du varech! Quoi? Où ça? Dans ta pâte! Par mes moustaches! Oh, fais ce que tu as à faire, pirate! Mais ne nous fais pas de mal! Je ne vais pas vous faire de mal, moussaillon! Je vous ai pris pour du varech! Mais tu es un pirate! Oui, et je suis aussi un octonaute! Et les octonautes aident les petites créatures comme vous! Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous! Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa! Il a été emporté par un courant très fort! Quasi, déclenche l'octo-alerte! Octonautes, au bassin de lancement! Octonautes, notre mission est d'aider ces hippocampes feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de varech. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite! Quasi, Pesso, les hippocampes feuilles, tous au Gup A. Un hippocampe feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du varech, encore du varech. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce varech ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Je te tiens, t'es en sécurité. Oh, merci. Ne vous inquiétez pas, les amis, j'ai retrouvé votre père. Papa, tu es sauvé. J'arrive, les enfants, vous m'avez beaucoup manqué. Oh, quelle joie de se retrouver chez soi avec ses petits. Nous avons vécu une sacrée aventure. Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, et manger aussi. On a très faim, papa. Bien, les enfants. Montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes feuilles. Regardez, nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve. 1, 2, 3, aspirez. Délicieux. C'est meilleur qu'une soupe de pirate. Ça, oui, alors. Oh, eh bien, bon appétit, les amis. C'est ça. Venez. Cassie, oh. Tu me reçois?
Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographic, il m'en faut une vraiment géniale. Oh, capitaine, je vous rappelle plus tard. T'es vraiment tard. Incroyable. Attention, Raymonta. Hé, attendez-moi, les amis. Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe. Faut excuser Muriel, pour une Raymonta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une Raymonta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle, ne les écoutez pas, ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux rémoras, du coup ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre Muriel, je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux docteur. Muriel est peut-être maladroite mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des Raymonta est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Oh, maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres Raymonta. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les Raymonta, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. C'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des Raymonta. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne, voyons celle des courants. Oh, là, ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasi, Pesso, Cassie, tous au Gup A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant droit devant. La voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti. Muriel, il faudrait qu'on puisse l'attacher au cup. Quasi, est-ce que tu peux le faire, toi? J'arrive à ton secours, Muriel. Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Allez-y, capitaine. Accrochez-vous. Le moteur a été endommagé. Comment allons... Ça chatouille. Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite vers des eaux plus calmes. Attrape une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine. Cassie, tire à droite. On y est presque, les amis. Qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous? Le courant nous a poussés très loin au large.
Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh non, nous sommes perdus. On ne trouvera jamais le jardin secret des Raymontins. Muriel, qu'est-ce que tu manges? Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y, suivons ce krill. Nous reviendrons au Gump A plus tard. Regardez! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Regardez tout ce krill! On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif! Dans une nageoire! Le courant est trop fort pour en sortir! On va s'écraser! Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Muriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonautes en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché. Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Ça signifie... On y est, le jardin secret des Raymontins. Mais je ne vois aucune Raymontin. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Raymontins. Les Raymontins se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh! Mon appareil! Oh! Elle est trop rapide! Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie! Ah! Je l'ai presque! Oh! Oh! Descends! Excuse. Laissez passer. Regarde où tu vas. Attention. T'es pas toute seule. Oh non, arrête Muriel. Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire... Cassie, tu vas bien? Ça va, mais il faut aider les autres. Mais ton appareil photo. Tant pis pour lui. Sauvons mes amis. Ah! Oh! 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 Ah! Merci, Cassie! Maintenant, autour de Quasi et Pesso! Pesso, Quasi, accrochez-vous! Accrochez-vous, qu'il s'accroche à quoi? Oh, j'aurais dû m'en douter! Nous devons sortir de là! Le seul moyen, c'est vers le haut! Muriel, tu dois sauter au-delà du récif! Oh, je ne suis pas très douée en saut. Nous allons t'aider. D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan. D'accord, c'est parti. Maintenant, remonte vite à la surface. Que se passe-t-il, Muriel? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous. Ah, merci. Je viens d'avoir une super idée de photo. C'est parti! Bravo, bravo! Bien joué, Muriel! Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique. Merci, Muriel! As-tu pris le bon profil de Muriel? Oui, puisque c'est le profil où on me voit. Non, c'est le profil où on me voit, moi.